Tomé Cochard à hauteur pour Jean-Bernard Pujol qui est venu se proposer. On est dans les 22 mètres de Grenoble. Tomé Cochard au large, elle est bonne à jouer. Il y a un surnom, Jacques Lupot Guitter qui porte trop le ballon. Il retrouve à hauteur. Enzo Celconi. Et l'essai pour l'USAP à la 5e minute de cette rencontre. Allez, une grosse séquence, il faut aller marquer cet essai. Yacine Boutemani prend le joueur et un ballon en même temps. Et l'essai qui est marqué par Genesis Mamea et Malou, servi intérieur finalement par Yacine Boutemani qui avait pris un défenseur et le ballon en même temps, et il a réussi à s'en sortir. Tomé Cochard toujours dans le côté fermé avec Mathieu Acébès. Fin de passe, c'est bien joué. Mathieu Acébès, allez Mathieu Acébès. Mathieu Acébès dans les 22 mètres. Un contre un, Mathieu Acébès. Mathieu Acébès, Mathieu Acébès. Oh le génie, le chouchou d'Aimé Giral. Oh l'action de génie, sublime. Mathieu Acébès. Ça va partir au large avec Romuald Segui, avec l'Ifemi Mafi qui est lancé. L'Ifemi Mafi, le petit coup de pied dans la boîte avec le ballon récupéré par Adjan Salponi. Le quatrième essai pour l'USAP avec Beren Botta, lancé en force. Beren Botta, on le pousse derrière l'embut. Beren Botta, il se retourne. Beren Botta, le cinquième essai de l'USAP. La force du géant, la force de ce deuxième ligne de génie lui aussi. Il était lancé 4 mètres. Beren Botta, c'est quasi impossible de l'arrêter dans cette position.